Bordeaux 5e accueille Quevilly-Rouen 12e. Les Bordelais sont privés d'Ignatenko suspendu, mais Fran Sergio, Elis, Maya et Bakwa sont bien présents. L'équipe normande se présente, elle, avec Sangaré au milieu, Bonnet un petit peu plus haut et Mafuta en pointe. QRM va essayer d'obtenir un résultat sur le terrain de Bordeaux. Mais les Girondins vont tout de suite de l'avant dès le début du match. Les joueurs de David Guillon sont entreprenants. Première attaque avec cette balle dans la surface. Le contact, la faute et le pénalty. Un pénalty d'entrée de jeu pour les Girondins. Josh Maja réussit à le transformer. 1-0 pour Bordeaux dès la 7e minute du match. Et le premier but en Ligue 2 BKT de Josh Maja, le joueur anglais, est efficace. C'est l'un des joueurs qui a évolué en Ligue 1 Uber Eats, mais resté à ce moment-là au club. Le but du 1-0 déjà, puis cette nouvelle action et un gros choc. L'arbitre intervient et sort le carton rouge contre le joueur de Quevilly-Rouen. Alpha Sissoko exclu après 15 minutes de match seulement. Le coup dur pour l'équipe normande, suivi d'un autre. Le dégagement complètement raté de Lemaître. Il a glissé, ballon récupéré par Bordeaux. Ça entraîne cette occasion, conclue par Jason Pendant contre son camp. Séquence terrible pour Quevilly-Rouen. Un rouge et 6 minutes plus tard, une glissade du gardien et un but contre son camp. 2-0 pour Bordeaux après 21 minutes. Situation compliquée pour Quevilly-Rouen et Bordeaux est en train de bien en profiter. On s'approche de la fin de la première période. Nouveau mouvement réussi pour les Girondins. Le tir efficace de Dylan Bakwa à 4 minutes de la mi-temps. 3-0 pour Bordeaux. Deuxième but de la saison pour Bakwa. Avec 3 buts d'avance et la supériorité numérique, Bordeaux a déjà fait un grand pas vers la victoire. Ça continue en seconde période. Joli mouvement. Très bien conclu. À quelques centimètres près, le poteau pour empêcher un nouveau but de Bakwa. Quevilly-Rouen s'en sort bien. David Guillon peut procéder à quelques changements. Son équipe est toujours très bien placée dans le match, mais continue à attaquer. Nouvelle balle dans la surface. Et cette fois-ci, c'est conclu par Logan Delaurier-Chaubet pour son deuxième but de la saison. 4-0 à un quart d'heure de la fin. Et après le but de Maja en début de match, l'Anglais s'offre 2 passes décisives dans la partie. C'est déjà sa 3e de la saison. Bordeaux se détache définitivement contre une équipe normande qui n'a rien pu faire. Une nouvelle attaque des Girondins, la dernière du match, pour pourquoi pas marquer un 5e but. Le tir un petit peu trop croisé et pas de but supplémentaire. Dommage pour les Bordelais et pour Delima. Mais Bordeaux s'impose très largement. Victoire de Bordeaux 4-0 contre Quevilly-Rouen.